diffraction des ondes radio dans une vallée de montagne. Les ondes de radio et de télévision peuvent être diffractées par les parois rocheuses. Une station radio émet en AM à une fréquence petit f égale 162 kHz et en FM sur une fréquence grand F égale 101 MHz. 1. Quelle est la condition de la diffraction des ondes? 2. Calculer la longueur d'onde correspondante à chaque onde radio. 3. Un village est situé au fond d'une vallée, dont l'entrée a une dimension de l'ordre du kilomètre. Sur quelle gamme de fréquence les habitants de ce village doivent régler leur récepteur radio pour bien recevoir cette station? 4. Explique le phénomène de diffraction sur le schéma. Donnez la vitesse de l'onde dans l'air, c égale 3 fois 10 sous 8 mètres par seconde. 1. Quelle est la condition de la diffraction des ondes? 1. La condition de la diffraction des ondes. Le phénomène de la diffraction se produit lorsque la largeur de l'ouverture est d'un ordre de grandeur que la longueur d'onde, ou bien inférieure à la longueur d'onde. La diffraction a lieu lorsque la largeur A de l'ouverture est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Lambda, ou bien la largeur A est inférieure à la longueur d'onde lambda. 2. Calculer la longueur d'onde correspondante à chaque onde radio. 2. La longueur d'onde. Lambda. Pour l'onde AM, on applique la relation. La vitesse C est égale à la longueur d'onde fois la fréquence F. Donc la longueur d'onde lambda est égale C sur la fréquence F. Application numérique. C 3 fois 10 sous 8 divisé par la longueur d'onde F 162 kHz. En Hertz fois 10 sous 3. On trouve lambda égale 1852 mètres. Pour l'onde FM, on applique la modulation C. La vitesse C est égale lambda prime fois grand F. L'onde AM et l'onde FM. L'onde AM et l'onde FM sont deux ondes électromagnétiques qui se propagent avec la même vitesse dans l'air, qui est presque égale à la vitesse dans le vide, C égale 3 fois 10 sous 8 mètres par seconde. Donc, la longueur d'onde lambda prime est égale C sur grand F. Application numérique, 3 fois 10 sous 8 divisé par la fréquence grand F, 101 MHz en Hertz fois 10 sous 6. On trouve lambda prime égale 3 mètres. 3. Un village est situé au fond d'une vallée dont l'entrée a une dimension de l'ordre du kilomètre. Sur quelle gamme de fréquence les habitants de ce village doivent régler leur récepteur radio pour bien recevoir cette station?
3, la gamme de fréquence. On a la largeur de l'entrée de la vallée. À et environ 1 km. On a aussi pour l'onde AM la longueur d'onde lambda est égale 1852 mètres. Pour l'onde FM, on a lambda prime est égal à 3 mètres. On calcule l'écart angulaire de diffraction dans chaque cas. Qui est θ pour l'onde AM. Θ est égal à la longueur d'onde lambda sur A, la largeur de l'entrée de la vallée. Application numérique. Lambda 1852. La largeur de l'entrée de la vallée, presque 1 km, 6000 mètres, égale on trouve 1,852 radians. Pour l'onde FM, on a θ', l'écart angulaire de diffraction est égal à lambda prime sur A. Application numérique 3 sur 1000. On trouve 0,003 radians. On remarque que l'écart angulaire θ est plus grand que l'écart angulaire θ'. Donc la diffraction est plus importante pour l'onde AM que pour l'onde FM. Car la largeur de l'entrée de la vallée A est inférieure à la longueur d'onde lambda. Car A est inférieure à lambda. Donc les habitants de ce village doivent régler leur récepteur radio sur l'onde AM, sur la gamme AM. Les habitants doivent le régler. Le régler sur la gamme AM. Pour recevoir l'onde de la station. 4. Expliquer le phénomène de diffraction sur le schéma. 4. Explications. Sur le schéma. Sur le schéma, en rouge, c'est l'onde AM. C'est ça sa direction avant la diffraction. C'est ça sa longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde lambda
sa direction avant la diffraction. Après le passage par la vallée, l'on se diffracte, sa direction change. L'écart angulaire θ pour l'onde FM a une longueur d'onde plus petite. En rouge, l'onde AM et en bleu, l'onde FM qui a une longueur d'onde plus petite, lambda prime. Après le passage par la vallée, la diffraction de l'onde FM est très faible. On a ici θ prime. On a ici l'angle θ prime. L'onde FM diffractée est loin des habitants qui vont recevoir l'onde AM.